Allez-y, on commence. C'est bon? Vous me recevez là? Faites-moi signe, s'il vous plaît. C'est bon, vous me recevez, qu'est-ce que vous m'avez? L'image mzienne, elle est claire. C'est bon, alors on commence. Alors, première des choses, bon, déjà bonsoir à vous tous et toutes. J'espère que vous allez préparer l'examen, Inch'Allah, ou bien vous allez passer dans les bonnes conditions, Inch'Allah. Alors, complétez le tableau suivant après l'avoir reproduit sur votre copie. Bon, titre de l'œuvre, nom de l'auteur, genre littéraire, siècle. Comme je vous ai avisé, à propos.
À propos des réponses, alors déjà il faut commencer par la lecture des questions. Alors, quel lien de parenté unit Antigone et Créon? Après B, préciser l'acte commis par Antigone et qui a provoqué la colère pardon, de Créon. Après, pourquoi Antigone demande-t-elle à Créon de la lâcher? Face à cette réaction, Antigone, Créon a-t-il éprouvé un sentiment de regret, de supériorité ou de sympathie? Gna regret nedem, supériorité ta'ali, la sympathie dans un cadre ou bien une atmosphère d'amitié. Relevez la comparaison qui le montre. Ça veut dire qu'on va extraire une comparaison du texte. Créon veut-il punir Antigone ou au contraire lui sauver la vie? Justifiez votre réponse en relevant une phrase expliquant le but de Créon. Encore, dites si la proposition suivante est vraie ou fausse. Créon est convaincu alors d'être toujours un chef d'État respecté. Justifiez votre réponse en relevant une expression dont sa deuxième réplique. Voilà, on a précisé. Par exemple, le paragraphe ou bien la réplique ou bien l'énoncé comme dans cet exemple ou bien dans cette question, il faut chercher selon la consigne demandée. Il y a du pain sur la planche. Cette phrase appartenant au niveau de langue familier veut dire que Créon a beaucoup de travail devant lui. Ou bien Créon a assez de pain pour son peuple, ou bien Créon prépare du pain sur une planche. Recopiez la bonne réponse. En parlant du corps sans vie, dans sa dernière tirade, Créon a-t-il employé une tonalité laudative, ça veut dire valorisante, ou péjorative, dévalorisante? Alors en arabe, je peux dire iqa musiqi par exemple, ou iqa sawti. Laudative ou bien valorisante, le medh, voilà, medhi, ou la péjorative, qadhi. Voilà. Relevez une phrase qui justifie votre réponse. La majorité des questions sont composées de deux sous-questions. Une portant sur la réponse directe sur un choix et l'autre sur la justification. Dans la liste ci-dessous, relevez deux sentiments que révèle la dernière réplique d'Antigone vis-à-vis de Créon. Le mépris, ou bien la peur, la jalousie, la colère, la satisfaction, l'admiration, l'irjab. Doit-on, alors réaction face au texte, doit-on utiliser la violence pour convaincre? Quelqu'un, justifiez brièvement votre point de vue. Selon vous, faut-il favoriser ses proches, leur accorder un avantage lorsqu'on occupe un poste de responsabilité? Dites brièvement pourquoi. Bien. Alors, on passe à la lecture du texte. Alors, lâchez-moi, vous me faites mal au bras avec votre main. Non, moi je suis le plus fort, comme cela j'en profite aussi. Aïe. C'est peut-être ce que je devrais faire après tout. Tout simplement. Te tordre, pardon. Tout simplement, te tordre le poignet. Te tirer les cheveux, comme on fait aux filles dans les jeux. Il la regarde encore. Il redevient grave et lui dit tout près. Cela ne te semble pas drôle? Tout de même, ce roi bafoué qui t'écoute, ce vieil homme qui est là à se donner toute cette peine pour essayer de t'empêcher de mourir. Vous serez encore, vous serez trop maintenant. Cela ne me fait même plus mal. Je n'ai plus de bras. Créon la regarde et la lâche avec un petit sourire. Il murmure. Dieu sait pourtant si j'ai autre chose à faire aujourd'hui. Mais je vais tout de même perdre le temps qu'il faudra et te sauver, petite peste.
Il la fait asseoir sur une chaise au milieu de la pièce. Il enlève sa veste. Il s'avance vers elle, lourd, puissant, en bras de chemise. Au lendemain d'une révolution ratée, il y a du pain sur la planche, mais les affaires urgentes attendront. Je ne veux pas te laisser mourir dans une histoire de politique. Tu vaux mieux que cela. Tu crois que cela ne me dégoûte? Pas autant que toi. Cette viande qui pourrit au soleil. Alors la viande qui pourrit au soleil, je réexplique. Cela concerne le cadavre de Polynice. La viande remplace le cadavre de Polynice. Le soir, quand le vent vient de la mer, on la sent déjà du palais. Cela me soulève le cœur. Pourtant, je ne vais même pas fermer ma fenêtre. C'est ignoble. Et je peux même le dire à toi. C'est bête, monstrueusement bête. Mais il faut que tu t'aides, sente cela pendant quelque temps. Tu penses bien que je l'aurais fait enterrer, ton frère, ne fût-ce que pour l'hygiène, mais pour que les brutes que je gouverne comprennent, il faut que cela pue le cadavre de Polynice dans toute la ville. Pendant un mois. Bien. Alors, je vais, bon, selon les explications fournies par l'examen régional, alors, bafouer, traiter avec mépris, ou la ridiculiser, personne, petite peste, personne nuisible, yani, si vous voulez, charse, yani, modère, ou charse, yani, qui fait du mal, voilà. Comme la maladie grave de la peste. Dégoûté, c'est provoquer pardon, une sensation d'écœurement, comme lorsqu'on voit quelque chose de sale. Yani ici, pourrir, ici, se décomposer en dégageant une mauvaise odeur. Une brute, homme violent, voilà, charson anif, grossier, sans esprit ni raison. Cela pue le cadavre. Le corps de la personne morte dégage une très mauvaise odeur. Et là, qu'elle fait le cadavre de Polynice. Odieux, ça veut dire détestable, antipathique, qui ne mérite aucun respect. Voilà. Alors, nous allons passer directement aux questions et je vais afficher simultanément les réponses. Alors, pour ce qui est du titre, nom de l'auteur, genre littéraire et siècle, ça c'est. Est déjà connaissable par les élèves. C'est bon, c'est clair. Alors, la présentation de la feuille de rédaction, alors, regardez, toujours étude de texte, مصايبة مزيان سطر عليها ودي الله يرضي عليك بالخضر ديما حدد ليه لا بارتي باسكو لو ليكزامان اي كومبوزي دو دو بارتي ايتود دو تيكست اي برودكسيون اكريت الوغ غاردي تيتر دو لوفر شوفوا كيفاش مقاد داكشي خضر ازرق تيتر دو لوفر اوتور جون ليتيرير سيكل الوغ سي انتيغون اوتور جون انويل جون ليتيرير تراجيدي مودرن اي بيان ايفيدامون سي لو 20e سيكل. Alors, concernant la deuxième réponse, je nous gagne 9 sous L. Couchit Bemaya. Quel lien de parenté unit Antigone et Créon? Alors, le lien de parenté, c'est Antigone est la nièce de Créon ou bien Créon est l'oncle d'Antigone. Alors, soit Djobedi, soit Boulkhra. Face à cette réaction, Antigone. D'Antigone, pardon, Créon a-t-il éprouvé un sentiment de regret?
de supériorité ou de sympathie. Relevez la comparaison qui le montre. Allez-y, j'attends votre réponse. Il y en a qui une réponse. Alors, je kigol, Ikram, où c'est Drjlina? Même si je suis professeur de français, mais je vais essayer de vous traduire de temps en temps. Et alors, votre avis? Voici le texte. Je vous laisse lire et vous répondez. La réponse. Alors, la réponse, c'est Antigone a essayé d'enterrer le cadavre de son frère malgré l'interdiction tout simplement du roi. Bien. Question numéro 3. Pioul 3. Alors, pourquoi Antigone demande-t-elle à Créon de la lâcher? Alors, je vais te Tout simplement, Antigone demande à Créon de la lâcher car il lui fait mal au bras. Monsieur Soualtiani. Face à cette réaction d'Antigone, Créon a-t-il éprouvé un sentiment de regret, de supériorité ou de sympathie? Y a là la réponse. Ah oui, je sais. Là, dès qu'il y a une question, je vais préciser l'acte commis par Antigone et qui a provoqué la colère de Créon. B. Oui, ah, il y a la job. Antigone a essayé d'enterrer le cadavre de Polynice malgré l'interdiction du roi. Alors, quelle est la réponse? Le regret. Alors, de regret, supériorité, de sympathie. Non, c'est un sentiment de supériorité. Lèche, déjà, il l'attaque. Très bien, supériorité. Lina Shedil, bonne réponse. Asma aussi, bonne réponse. Mariam, elle a retiré. Super Ayoub, bonne réponse. Très bien. Normalement, c'est la supériorité parce que déjà, il l'a violente. Alors, la comparaison qui le montre, allez-y. Attendez la comparaison qui le montre. Je vous affiche le texte. La comparaison, elle.
Ah oui, je vais m'éclipser un moment, désolé. Ah oui, le texte bien calme. Très bien, on a déjà la réponse, les gars, te tirer les cheveux comme on fait au. Oui, bonne réponse, Chédid, bravo. Alors, la réponse, c'est te tirer. Aïe, te tirer. Te tirer les cheveux comme on fait aux filles dans les jeux. Oui, tu as raison. Moi, je suis le plus fort comme cela. Ou bien, moi, je suis le plus fort comme cela. C'est bon? Yalla, monsieur le 4. C'est bon, Céline m'a. Alors, monsieur le 4. Créon veut-il punir Antigone ou au contraire lui sauver la vie? Attention. Elle est notée sur un demi-point et après justifiez votre réponse en relevant une phrase expliquant le but de Créon noté sur un demi-point. Allez-y, vous répondez. Allez-y, j'attends la réponse. Oui, Louis sauvait la vie, c'est juste. Justification? Ah, le texte est combien? Pas de réponse. Alors je vais. Voilà, Maravchouch. Alors je vous affiche. Alors Crayon. Oui, on sait très bien qu'il veut lui sauver la vie. Alors, Crayon veut sauver la vie à Antigone. La phrase qui le montre est ce vieil homme qui est là. Voilà. À se donner toute cette peine pour essayer de t'empêcher de mourir. Ou bien, je vais tout de même perdre le temps qu'il faudra et te sauver. Anormalement. Alors, Myriam, bonne réponse. Perdre du temps, super. Oui, la majorité. Bravo. Je ne veux pas te laisser mourir, c'est clair. Il y a du pain sur la planche. Alors, 5. Dites si la proposition suivante est vraie ou fausse. La proposition, ça veut dire la phrase. Crayon est convaincu d'être toujours un chef d'État respecté. Justifiez votre réponse en relevant une expression dans sa deuxième réplique. Allez-y. Alors, je vais comme la deuxième réplique. Voilà.
C'est bon, la réponse? Alors, voici la question. Créon veut-il punir Antigone ou au contraire lui sauver la vie? Dites si la proposition suivante est vraie ou fausse. Créon est convaincu d'être toujours un chef d'État respecté.